Comment allez-vous? Bienvenue. Tu sais quoi? Nous avons une nouvelle tête aujourd'hui. Ça pour une surprise. J'espère ne pas m'être trop fait attendre. Voici les grains de blé que vous m'aviez demandé. Ils devraient vous donner encore plus de beaux épis que la dernière fois. Je n'en espérais pas tant. Merci, Alfino. Ton aide est toujours la bienvenue. Je dois aller débarrasser les maisons vides. Faites comme chez vous pendant ce temps-là. J'ai l'impression que notre dernière rencontre remonte à une éternité. C'était lors de cet échange de prisonniers à Doma, c'est ça? Voilà un certain temps que je suis arrivé dans le premier reflet, et j'ai tendance à perdre mes repères. Quel soulagement de vous voir en bonne santé. Oh. C'est exactement ce que m'a dit Alizée lorsque nous nous sommes retrouvés. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas fait gronder comme ça. Nimeïa soit louée. Nous voilà à nouveau réunis. Vous devez avoir tant d'histoires à me raconter. Une guerre ouverte avec l'Empire de Carlemagne. Cela concorde avec ce que disait ma sœur et l'exarque du cristal. Quant à notre pauvre Tataru, je suis désolé de lui avoir causé tant de soucis. J'espère que nous pourrons bientôt tous la retrouver. Avec d'excellentes nouvelles, bien sûr. Avant tout, nous devons nous préoccuper de l'éventuelle réunification du premier reflet avec notre monde. D'après moi, il est tout à fait possible que la vision d'Urianger devienne réalité. Dans le futur qu'il a entrevu, le huitième fléau qui ravageait le monde primitif prenait la forme d'une arme invisible de l'Empire. Il s'agit forcément de la rose noire. En compagnie de Gaius, j'ai eu l'occasion de constater que sa production avait été relancée. Et je sais qu'il en avait redonné la destruction quand on l'appelait encore le loup noir. Hélas, tant qu'il y aura des guerres, ce genre d'arme sera toujours d'actualité. Même si nous parvenions à anéantir la rose noire dans notre monde, je doute que cela règle vraiment notre problème. Dans ce sens, on peut dire que c'est une chance d'avoir été appelé dans le premier reflet. Grâce à notre rencontre avec l'exarque du cristal, nous savons désormais ce qui menace de provoquer la réunification de ce monde avec le nôtre. Urianger saurait mieux vous l'expliquer, mais je vais tout de même essayer. Ce phénomène de réunification se produit lorsque le monde primitif et un de ses reflets font tous les deux face à un désastre de grande ampleur. Ici, la menace est représentée par ces créatures que les habitants appellent purgateurs.
Vous pouvez me croire. J'ai bien l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que le pire ne se produise. Même si ce monde n'est pas le mien, il est hors de question que je reste sans rien faire en voyant tous ces gens souffrir. Par conséquent, j'ai décidé de me rendre à Ulmore, le centre politique de cette terre selon toute vraisemblance. Notre action devrait y trouver écho. Que diriez-vous de m'y accompagner? Ensemble, nous serons plus à même d'être écoutés et de trouver des alliés. Me voilà comblé. Pour tout vous dire, voyager en votre compagnie m'avait terriblement manqué.
Au fond, vous pouvez apercevoir les bras ouverts. C'est le nom qu'ont donné les Olmoriens aux portes de leur ville. Devant nous, c'est le vestibule. Les personnes qui occupent ce campement espèrent être choisies pour vivre à Ulmor. Regardez qui voilà. Dis donc, gamin, t'as ramené une nouvelle tête aujourd'hui ? Les gens qui ont du talent sont toujours les bienvenus. Alors c'est quoi ta spécialité ? Il n'est pas venu ici pour vivre à Ulmor, donc il ne vous dérangera pas. Laissez-le tranquille. Ah, j'étais juste curieux, c'est pas une raison pour être désagréable. Allez-vous, très cher candidat à la citoyenneté ulmorienne? Aujourd'hui, nous sommes ici car une noble dame meurt d'envie de déguster un délicieux plat à base de poisson. Celui ou celle qui saura cuisiner selon ses attentes gagnera le droit de vivre à la ville pour le restant de ses jours. Alors, qui se sent à la hauteur? N'hésitez pas à vous proposer ou à nous présenter la personne idéale. Du poisson. On a un cuistot? Et pourquoi pas elle? Je vous ai dit que Ulmor était le centre politique de ce monde, n'est-ce pas? À vrai dire, cette cité est aussi connue sous un autre nom. La ville des derniers plaisirs. L'endroit où les riches et les nobles ayant survécu au déluge de lumière viennent profiter du temps qu'il leur reste à vivre. Les gens ordinaires qui aspirent à ce paradis n'ont d'autre espoir que d'être choisis pour un don ou un talent particulier. Oui, c'est pas mal du tout. Nous t'emmenons avec nous à Ulmor. À partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir exprimer tes talents de cuisinière dans notre paradis sur Terre. Regardez-moi tous ces visages impatients. Ne vous en faites pas, nous savons très bien ce que vous attendez. Pour accompagner le départ de notre dernier élu, c'est l'heure de la distribution de méal. C'est ce que j'attendais. Régalez-vous! C'est pas de refus. Moi aussi. Ce méol est distribué gratuitement par Ulmor aux habitants du vestibule. Il paraît que c'est aussi l'aliment principal à l'intérieur de la cité. Dans un monde où la nourriture est rare, nombreux sont les habitants qui vivent en complète dépendance de ces repas gratuits. Pour autant, je n'arrive pas à adhérer à cette pratique.
Ah, te voilà. Tu as quelque chose qui m'appartient, n'est-ce pas? J'aimerais que tu me le rendes, car je vais en avoir besoin pour une transaction très importante. Pardonnez-moi. J'ai fait ça pour entrer dans Elmore. Je n'ai plus de famille, et mes amis ont tous été choisis pour vivre dans la ville. Je suis toujours seul, et lors des distributions de mes halls, je ne reçois que des miettes. Quoi que je fasse, personne ne me recommande. J'ai faim, et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai décidé de saisir ma chance, quoi qu'il m'en coûte. Comment t'appelles-tu? Kaishir. Dis-moi, Kaishir, est-ce que vivre à Elmore est la seule solution pour toi? Tu pourrais aller à Crystarium, par exemple. Il n'y a pas de distribution de méoles là-bas, mais on peut y travailler pour recevoir de la nourriture en échange. Non, c'est impossible. Mes amis sont à Elmore, et nous nous sommes promis de tous y vivre ensemble, un jour. Je m'apprêtais à faire un échange avec Léondo, au phare du Clavis. Tu veux y aller à ma place? Il te suffira de dire que tu viens de ma part. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? Considère ça comme un petit coup de pouce. Une fois la transaction terminée, ce sera à toi de trouver comment vendre ce que tu auras obtenu. Merci beaucoup. Il ne s'agit que d'une simple enquête pour nous, et d'autres occasions se présenteront. Mais aux yeux de ce garçon, c'est l'opportunité de toute une vie. Je ne regrette pas de lui avoir fait ce don, et je prierai pour qu'il réussisse. Mais était-ce vraiment le bon choix? Si nous ne sauvons pas ce monde le plus vite possible, de nombreuses personnes mourront, vous y compris. Ma gentillesse nous perdra peut-être. Vous le pensez vraiment? Si Estinia était là, je suis sûr qu'il ne se serait pas gêné pour me réprimander. Mais je vous remercie. Nous allons faire de notre mieux afin de trouver un dénouement heureux, pour eux comme pour nous. Rentrons d'abord à Sherpan, si vous le voulez bien. Tiens. Qu'il y a quelqu'un. Il a dû. Get it.
Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous êtes à moi! Je vais vous mettre en pièces! Vous êtes à moi! Pour un amigo! Mettre en pièces. Vous êtes à moi. Pour un amigo.